DJ Stéphane, Balamwange, Congo ya Lumumba, Congo, Tafachi Beton, Tangwe Koki, oh yo yo, Tangwango yango yo ye Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, oh ye ye. Messieurs et dames, mbote, et si kana sobo akota la biso, voilà, Jésus en collé. Et encore devant vous pour vous parler nation, pour vous parler pays, tension sur tension, surtout plus dans les milieux politiques de la République démocratique du Congo, que ce soit du côté de l'Union sacrée, le parti au pouvoir, mais également du côté de l'opposition congolaise par rapport au choix du porte-parole de l'opposition. Ça bouge de partout parce que la constitution, la loi Ezago Lobelabiso, après l'entrée en fonction du gouvernement, 7 jours après qui suit, il faut que le porte-parole de l'opposition soit installé. Mais du côté des opposants congolais, Marambouago Tambolate, du côté de l'ensemble pour la République, Baako tirer les rideaux de leur côté avec Moïse Katumbi, LGD, Dematata Ponyo, Lamuka et Sidé, avec celui qu'on appelle Fayulu. Et de l'autre côté aussi, nous avons Adolphe Mouzito avec Nouvel Élan. Nous avons un vol avec Délice Sanga. Nous allons parler de ces désordres du côté de l'opposition en République démocratique du Congo. Et nous parlerons aussi de plusieurs choses. Et la question de l'Est de la République démocratique du Congo et Gozala Épargnété au sein et aussi à l'intérieur de cette émission. Nous parlerons aussi justice. La justice congolaise est maintenant debout avec le nouveau ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Excellence Constant Mutamba, qui a instruit au procureur général de la République près la Cour de cassation, le procureur Firmin Vondé, OEP à son tour, à instruire aussi dans le différent juridiction au Ezali, Naba province, Nabiso, Babanda Golandela, du côté nuisance sonore et aussi du côté de mariage entre l'homosexualité. On va parler de cela. Les papa, les maman, ça commence à bouger et nous allons toucher presque tout ici en République démocratique du Congo. Alors, nous recevons l'analyste politique, mais c'est un juriste de son état, un avocat, je peux dire, mais à Gopé Sabiso, ma précision, ce maître Claude Ngoma. Moto à l'obaka malam ou pon ambo kanaye, à pansakape malam ou pon ambo kanaye. Maître Claude Ngoma, analyste politique indépendant, et il est congolais de père et de mère. Il y a un autre CP de tout, mais kako sou l'anaye, azali invité de fiston Yankoli. Alors, maître Claude Ngoma, tu peux si on botte. Mbote mingi mwana mboka fiston ya kole, mbote mon ami Max na realisation, na sepeli mingi na lukasa na yo, oebike a chaque fois, tango obenga kangai, na profitaka mingi, koya ko eclaire opinion, surtout na o Itali, marche ya République. Parce que mboke zali mboka na biso, biso bacteur politique, moi je me sens dans ce devoir de redevabilité vis-à-vis ya ba concitoyen nangai, pendant o Itali sabango, marche y a République. Nyango moni lè na kamate ki invitation na yo, na bouskile baline pour que na kokakoya ko répondre na plateau o ya monene et miseni ko pesa ba imboka information pure et vraie. Très bien, là c'est maître Claude Ngoma, moimboka congolais de père et de mère. Yende to yambi na mokona lelo pour tout le belabino makambamboka. Mais avant tokota au vif de notre sujet, nous allons parler des prouesses du service national avec le général major Otto Bengi Kasongo Kabwik qui est au niveau du Congo profond. Il traverse presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo, la province du Haut-Katanga, la province de Lualaba, la province du Kasongo
Kasaï oriental, la province aussi de l'équateur ville de Mbandaka. Mais ici, nous sommes au niveau de la province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi, où le service national Eyambaki Lobi Moleki, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était présent au niveau de Lubumbashi hier au lancement des locomotives du service national Oyekozala comme un instrument de transport Ekolongwa Grand Katanga vers Kasaï et Ekozala pour le transport des marchandises. Et aussi dans les tout prochains jours, il y aura aussi des nouvelles locomotives toujours pour les services nationaux et Gobandape pour assurer les transports des Congolais et des Congolaises. Alors ici, c'était les images de Stéphane Mbalamwange, le DG des Tango Koki RDC, qui est sur terrain ensemble avec Joël Kitenge, qui assure la communication du service national près aussi du président de la République, Fatshi Béton. Ici, c'était hier à Lubumbashi. Suivons les images. Nous allons revenir dans quelques 2 ou 3 minutes et nous allons commenter ces images. Et ne zappez surtout pas, parce que Makambuto Koloba Lelo, na côté opposition, na côté pouvoir, des vérités sur aussi l'agression rwandaise dans la partie est, vous serez totalement ravis de nous écouter, parce que nous sommes une télévision patriotique où nous prenons la méritocratie et pas Bakunzo Bako Kambabiso. Suivons ceci avec Max. Il s'agit d'une cérémonie de lancement des trains mis à la disposition du service national par le chef de l'État et commandant suprême. C'est pour résoudre un épineux problème qui tardait à trouver solution, celui de l'acheminement de matériel agricole, matériel et équipement agricole, des intrants agricoles vers les différents centres de production du service national, mais aussi l'acheminement même des bâtisseurs, des recrues, le mouvement va et vient des bâtisseurs vers les différents centres d'encadrement, vers les différents centres de production, mais aussi pour résoudre le problème, l'épineux problème d'évacuation de la production du service national vers certains centres de consommation. Comme vous le savez, il ne suffit pas que de produire, mais il faut faire consommer cela. Comment acheminer ça vers les centres de consommation, c'était un problème. C'est comme ça qu'il a plu au commandant suprême de mettre à la disposition du service national le moyen propre, qui est constitué du wagon que vous avez vu, des locomotives. C'est qu'aujourd'hui, le service national peut transporter les intrants, peut transporter les carburants, peut transporter les matériels, peut transporter les recrues, peut transporter même les vivres et les autres services au profit du service national, mais aussi au profit des populations, des localités qui sont traversées par le chemin de fer. Donc c'est vraiment une grande avancée, sauf fausse modestie de notre part, nous dirons, dans la zone, dans l'Afrique centrale ou Afrique de l'Est, ou je ne sais pas, s'il y a un service national qui possède le matériel de ce genre. C'est pour vous dire la volonté ferme du commandant suprême de voir le service national de la République démocratique du Congo être modernisé et monté en puissance. Voilà l'essence que nous pouvons donner à la cérémonie de ce jour. Tous les partenaires qui ont signé ce qu'on appelle la convention de passage avec la SNCC payent un droit de passage. Parce que le chemin, la voie ferrée ne nous appartient pas. Les installations ne nous appartiennent pas. Lorsque vous avez importé le matériel ferroviaire, vous ne le gardez pas dans votre garage. Ils sont gardés dans les installations de la SNCC. Ils circulent sur les installations de la SNCC qui met aussi à votre disposition son expertise. C'est comme ça qu'il y a eu la conclusion d'une convention sur instruction du commandant suprême. La convention entre les services nationaux et la SNCC, c'est une convention qui est particulière, avec plusieurs avantages qui sont accordés au service national. On sait que c'est un service de l'État. Nous ne sommes pas une entreprise commerciale qui va faire du commerce pour avoir du bénéfice, mais c'est une structure paramilitaire qui est là pour accompagner les actions du gouvernement, les actions des forces armées et les actions des autres citoyens pour le développement. Et donc, la convention a été conclue de telle sorte que 25% de la valeur du transport, du coût du transport, devra être payée
à la SNCC, elle fasse à certaines dépenses inhérentes à son fonctionnement. Donc elle est tout à fait normale, au lieu de considérer que c'est du matériel de l'État, il va circuler gratuitement, on appauvrirait encore beaucoup plus la SNCC. Voilà, c'est de cette manière que la convention a été. Le patriotisme, j'aime mon pays. Un bon soldat, je n'ai pas autre mission que de rendre service à ma nation, à ma patrie. Et donc, par cette motivation, tout ce qui est possible qu'un humain puisse faire, tout ce qui est possible que je rende à ma nation, je le ferai. Voilà, nous sommes de retour après ces images. Il y a Lubumbashi, Tomoni, président de la République sur place, tout le monde explication. Et à général-major Kasongo Kabwiko au micro de Stéphane Balamwangi. Maître Claude Ngoma, nous sommes Bisson Soba Congolais de père et de mère. Tous les monde misala au service national et à Kosalama et à l'Ikosala sur terrain. Service national le bandit l'élote depuis l'époque de Moïse Kabila. Mais tout le monde a qui service national et l'imoua qui n'a mboka. Misala n'a mboka bandai comme on a l'issou souté. Bandeko au lelo baza. Ba pilier service national au Tobengi. Ba. Kuluna avant to bandai ko benga bango à l'époque bandai ko zo bango lokola bibwele ko boma ko kanga ko sala boye melelo fachi beton à instruire et pas à général Kasongo Kabwik bazwa ba bilenge nyonso wana bazalaki ba kuluna ba tamobulu ba pesi bango matea ba former bango et bile ba tu ba Afrique du Sud omoni bango na bilili ba komi utile na société ba komi kuluna ba komi ko sala biloko ya ko loba eza ebele alors nako tala bilili on habite commentaire na yo par rapport il y a ba prouesse ya service national na musala malamu ya général Kasongo Kabwik koza la lolengeni. Non, d'abord chapeau bas na général major Kasongo Kabwik parce que en tout cas c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moto akobo ya zata moins que za landoki. Parce que musala oya sali a revaloriser le service national. Oyo et koma ki déjà amorphe, je pourrais même dire inexistante. Inexistant plutôt, le service national. Voyez-vous? Et donc, kota la énergie oyati pona ko rééduquer ba oto banda ko benga ba kuluna le loto bengi bango ba bâtisseur. Et ça, c'est une vision pure de Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Na komona musala oyo na ba moyen oyo ati na service national. Et donc côté wana en tout cas mon général major en tout cas chapeau bas félicitations koba ou bendengwana. Webin de konanga so ba warrior nyoso bazalaki neti na esprit ya ko sale la mboka. Nenge oyo le général major Kabwik Kasongo Kabwik azo sala Congo ndele le koma ki déjà toleka ki déjà ba warrior on banani. Banani ba warrior. Non mais ba ministre onyo se ba otikolika. Ba ministre onyo se ba otikol na ba scandale. Y a ba détournement. Mais voilà un homme qui est conscient de l'action politique et qui aime son pays. Il travaille pour la nation. Mon cher ami. Nani akokai kondima ete un jour kuluna koki kokende kozwa formation en Afrique du Sud. Tala bango ndenge balati teni et ils étaient bien habillés. Habillés avec la marque de la République. Marqué na poche na bango service national. Ozomo la même dignité ya ekolo, ba revaloriser banne lobby, ba koma kondre ba makak à tout prix faut ko fusiller bango. Donc en tout cas ndeko nangai coup de chapeau na général général major Kasongo Kabwik et surtout que tal équipe azo ko accompagner bango pona presse tala bato azo accompagner bango pona presse ozomona que par exemple na profiter on a pesa big salutation na aigle de la presse Stéphane le DG Stéphane Balamwangi oyo azamo sika atiki libota na ye mwasi bana tiki bango makei ko sale l'école mosika ya ndako na ye Bazokota Zamba, Bazobima, Azaliye na Moninga Nangai Kitenge, Jimmy, Joël Kitenge, Joël Kitenge, Baza Bango Nyos Bazo Mouye Mayo, Ngana Wolo Bango même qui sont au front, Bazali na front, Pona, Ko Talisa Oyo Nyos Zali, by force, ya service national. Na yango, na Rokokate, Ko Silisa Malobananga, sans pour autant
Nabwa kape ba fleur, nangambo ya président de la République, Félix Tshisekedi, Fatshi Béton, nakomona ba moyen oyo azotia ndeko na ngai. Nani akokaki kolota ndoto un jour, le service national akoki kozala doté na train pour que permettre bango ba évacuer biloko kolongwa kasai te kananga. Et train pe wana mosusu yali ya ko servir de passagers pona ko déplacer de Kananga à Kasai. Ta la volonté. Kasai katanga katanga Kasai. Voilà. Donc yango moni ay moko soko linga ka fati folo baka il fallait ka fati. Il fallait ka fati parce que biloko ezala ndoto. Service national ta la melelo ta la bana on wepike mbala libosonga na landa na étant donné bino toujours avec le DG Stéphane Balamwange, l'aigle de la presse du Congo, nakomona le bâtisseur otobengaki bakuluna bafutami mosolo moi no azaki tina te na famille mais akamati lomea atindeli baboti na ye na kisasa baboti ne bandaye kolila tant bazoma ta avion papa kinekani ya makasese mais baboti wana ka moko bakomi ko sepela na présence voilà. Ya bana na bango na kania makasese parce que bakomi pe ko tinda mbona libota na kisasa voilà. Et ça c'est louable et j'avais même encore aimé na dernière sortie médiatique ya mon général major Kasongo Kabuit tango a interpellé ka bino bokani sateke awa na service national les ali refichte tokozwa pe batonyon sote mais boye ba ke ler bozoya e ali pasi mosale ezali awa koye kola mosala na maya misote mais tokola kisayo ndenge nini kusi apprendre même lobby okoma responsable et lelo le service national a commis un projet munene o azo réalisé celui de la réintégration ya ba bâtisseur na vie civile na bango. Alors maître Claude Ngoma yo sa mutu ya mibeko bato mosusu ba koloba service national eye comme si ko encourager ba jeune délinquant oyo ba kuluna qu'on peut appeler parce que mutu ya bike sora sali na kuluna a kozwa musala kokota na service national ba ko former banda ko futa epe à la fin du mois. Est-ce que service national le leto ko tokoyi koloba ke eye ko sunga ou bien eye ko encourager bilenge mibali ba kota na bango na kuluna ba ko kanga bango me ba okene na centre de formation. Non, c'est-à-dire que bato bazo sala lecture wana ba yebite eloko nini ba bengaka centre ya rééducation. Ba même oyo bazali na biso na makala. Alors, en réalité na kati ya makala na o etali bato ba kangi bango na o to bengaka violence juvénile tope ba kuluna esengeli na kati ya makala bazala na ba atelier de formation ba ekola mosala pona ko rééduquer bango. Ozomona mais heureusement malheureusement département wana na ba prison na biso ezalaka te raison pour laquelle omoni le service national eye kondima charge wana nyonso o esengelaki ko sala makana ba prison na biso mais service national elongo na le général Kasson Kabuik ba memi charge ya Congo. Alors o ya koloba bongo to ya ko sala lecture wana na koloba kali moyini ya Congo ali moyini ya Congo pambate tala banowa balika kate pona kolona me ba kotonga tala tout récemment ba pesi na université na ba école ba bon très important au lieu que to zelaka oh ONG moko oh ba benga kango ni coopération bilatérale entre Japon et RDC ba ko pesa ba bon ezali soni mais lelo to komi service national aye ko pesa ba bon école a sali don. Alors, pourquoi ne pas tomber la bango maboko? Bazaka na molonite, misusu pe bali ko tomba. Bazo yekola, o tozo benga gistage. Alors, bato wana, est-ce que lobby bazo ko travailler pour ba lobby bako koma bato te, bako koma bato, bako koma na indépendance d'esprit. Pourquoi? Parce que azana mosala na ye, bako bala, bako sala libota, bako sala foyer. Et donc bazui chance ya l'état pour l'encadrement yango pona sili sana pesi coup de chapeau en tout cas na mon général major Kasongo Kabuik kolembate papa naibi ke badongolo miso ba ali ebele naibi ke badongolo miso ba ali ebele mosala oyo ko sala butu moyi ba ko reconnaître yango te mais biso totali bango te il fallait kaka fachi
oyozo sala ndeko nangai en tout cas moi na mboka na tombele moka ko soa continuer ezala exemple moko patron pour na ba ministre nyonso ba uti ko kota na gouvernement madame Judith Suminwa ba bien avant les compétents eh batala et saleli ya général major Kasongo Kabwe maboko milai na kese ya lite mosolo bati na place na azongiseli yango bakuluna ba batisser lelo ba bengi bango ndeko na ngai nayoki esengo na nzoto na zosilisa wana na moni bana na biso ba uti Afrique du Sud tala ler kata mokonzi akopesa bango mbote na moni ndenga pe na zongelenge na la tatanza kombo wana teni a lokumu balati et pourquoi pas toloba nyonso isalami fallait kaka fachi. Très bien. Alors, le président de la République, Atie Maele Makasi, et Asengi Pena gouvernement congolais, va disponibiliser vraiment ba moyen pour le service national et Kende Liboso. C'est très important. Et Zapo, na lokumu ya mboka na biso. Alors, prenons la première thématique, il y a émission na biso. Torolebela sur le porte-parole, il y a opposition, nakati ya République démocratique du Congo. Depuis toleka na ba élection, loi, mibeko ya kolo, constitution, aliko. Mentionner qu'au permettre que au sein il y a clivage politique nabiso quand il y a le président de la République il y a l'opposition et de l'autre côté photos à la peine moto oyabanda ko kumba van wana ya opposition to bengi les porte-parole il y a opposition depuis que Kabila était là et loko ezala qui respecté te mais laissez-nous vous annoncer que du côté de l'opposition, des tensions surgissent au sein de l'opposition. Les principaux leaders n'arrivent pas à s'attendre sur la désignation du porte-parole commun de l'opposition. Après les refis d'Ikan Fayulu, les adeptes de Deli Sesanga rejettent les propositions des katumbistes, estiment qu'ils ne sont pas en mesure de faire face au pouvoir ici du processus électoral controversé. Alors, Lelo, maître Claude Ngoma, Tomoni, Mokonzambo qui s'est prêté qui serment le 20 décembre, Tomoni awa Assemblée nationale et du bureau définitif Nango et après le bureau définitif Assemblée nationale Tomoni gouvernement Toluka Bakoti gouvernement Toluka Basali ba remise et reprise au niveau primature au niveau il y a ba différents ministères a ce que commis les tours aussi il y a Kopona porte-parole il y a opposition. Opposition le Tuzalina en vol, il y a Delice Sanga, Tuzalina LGD à Matata Ponyo, Tuzalina Ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi, Tuzalina SID avec Martin Fayulu, Tuzalina Penangambo Mosusu, Nandeko Nabiso Adolphe Mozito avec Nouvel Élan. Alors, Lelo na architecture où il y a opposition, quel est ce parti politique, quel est ce leader-là à Roïko incarné Malamu, Mongongo, il y a opposition comme étant porte-parole, il y a opposition. Ndeko nangai oyebi eloko yo ezo boma Congo lelo mingi mingi ba politiciens congolais ezali manque ya culture politique. Ezali manque ya culture politique. Ezali te ke bokoki ko bo elo donc voilà question moko e banda ko de partager bino e kabola bino non. Non. Alors que porte-parole ya opposition ezali volonté ya Félix Tshisekedi te le président de la République. C'est la constitution. Alors, le col est à la constitution. Alors, pourquoi tu recabois? Pour la lundi, non, tout ça, c'est parce que le président de la République, Félix Tshisekedi, veut à tout prix, voilà donc, museler l'opposition, il veut placer l'opposition sous sa botte en désignant un porte-parole de l'opposition. Mais écoutez, Bazan n'a pas considération d'ordre politique. Tous ses opposants, basés sur la considération d'ordre politique. Alors que ici, c'est la Constitution. Et Tata Mokonzi Ekolo, local a outé en opposition. Et que Ayebi Nyamou Nyamou est en opposition. Pour opposition, Banda Kala, et le Bakamonoko Mokote. Voilà. Voilà le cadre légal, ba Pesibiso. La Constitution, Balobi Nabiso, non, il faut un porte-parole ou à porter voix. Il y a opposition. Et qui est cette de personne ou cet opposant ou à comporter voix et à opposition. Surtout plus mais la procédure, maître Claude Ngoma. Quelle est la procédure pour le choix et à porter parole à l'opposition? Est-ce que c'est le président qui choisit? Est-ce que c'est la première ministre? Est-ce que c'est l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est le Sénat? Quelle est la procédure pour le choix et à porter parole à l'opposition? C'est non, ça le problème. La procédure, c'est que d'abord,
moto a kobima porte-parole ya opposition, il fazala inscrit dans une opposition républicaine, c'est-à-dire une opposition qui sont dans les institutions, c'est-à-dire dans les cas sous examen, oyo bazali na parlement, na o bazali na sénat. Nde o opposant wana nde bango nde ba kobimisa moko. Ba kobimisa porte-parole. Yo zan opposition balabala. Oza en opposition institutionnelle te. Parce qu'en RDC, l'opposition est plurielle. Toi en opposition parlementaire, toi en opposition extra-parlementaire. On a lingala na bengi opposition, ya balabala. Et existe à rappeler, hein? Mais foyer l'oiseau. Légalement parlant, est-ce qu'il existe à quoi? Non, légalement parlant, on parle de l'opposition républicaine. Yangonde. Yozo opposition à balabala. Mais écoutez, Zela Timokolo Kozwa, ba élu, ou ba ko représente parmi les élus, na chambre, assemblée nationale, topé na sénat, nde alors au komisi koyo. Opposition républicaine. Donc, et si dès Martin Fayulu est un sénateur, il est un député. Il est un député. Oh, comment ça? Mais il y a Kenda Yemokote. Aboya Batumsu Bakenda, ba collaborateur, ne va s'aligner. Ah oui, Martin Fayulu est un candidat député. Voilà pourquoi Nazolo Baki Bazan opposition ya balabala. Yena c'est ça. Et ce qui polémique et Mati Makasi, c'est tout simplement le patron. Il y a ensemble, je cite ici Moïse Katumbi Tchapoué, Azali Mote Mamonene, a Keiko Kotuna Bango, a Komeli Bango, pour Aïb Sabango, Boya Tosangar. Parce que ce qui te lobby, tout ça, la politique, malamo, toloba malamo, ou Azali Lelo, ou a Kokiko Bima Lelo, porte-parole opposition, c'est Moïse Katumbi. Mais Batouya Esidé, Batouya Envol, Delice Sanga et Martin Fayulu Balobiki, Moïse Katumbi a Kokiko représenté opposition te parce que il n'a pas cette capacité de faire face à Tshisekedi. Mais justement, il y a mon azor dans bazan a ba considération d'ordre politique. En réalité, la première force de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale est allée ensemble. Suivie du parti Nouvel Élan. Et puis LGD Nasuka, Bazali Bongo. Et donc, naturellement, Motoyo Akobima, porte-parole, il y a opposition, c'est Katumbi. Maître Claude Ngoma, ce qui te zongi un peu dans le rétroviseur, à Tomoni Kabila, tant à Sengaka, à consultation ou encore à dialogue, il y a Den Kodjo, dialogue à Senko, alors il y a opposition, il y a pouvoir en place, il y a tout Sangana. Pour que tu trouves un compromis et premier ministre à Kouou dans l'opposition. Alors, opposition à l'époque, ils ont opposition à l'IDPS. IDPS n'a pas de parlement, ils ont député parce que papa Étienne a fait ça quand on va siéger. Mais tout le monde qui Kabila avait quand même pris la décision à nommer un premier ministre au sein opposition mais dans l'IDPS. Lelo Oyo Fayulu à cause d'un député dans l'Assemblée. Est-ce que le pouvoir en place que condimenté que Fayulu a siégé le coup la porte-parole à l'opposition? Non, contexte que c'est ni. Kabila comment qui n'a contesté moko mandat na yesilaki. Mandat na yesilaki. A comment qui déjà qu'au glissé. Et il fallait trouver un cadre politique pour te doter mboka na institution parce que yé a comment qui déjà hors délai. Mais ici, Tshisekedi n'est pas hors délai. Tshisekedi est dans le mandat. Et souci à Tshisekedi, le président de la République, Félix, alors bien non. Il est sengeli na biso, opposition, azwa voix ya kolobela. Mais tant que tu as l'opposition, tu as l'opposition parlementaire. Tu as l'opposition extra-parlementaire. Mais dans mon thème, mon nene ya Moïse Katumbi, le président est ensemble, abino na fongola. Donc, à s'ouvrir vers ses frères de l'opposition. Mais le col à Bango va comprendre lecture ou anate. Batikali n'a pas motion d'ordre politique. Batikali. Donc, moi, mon humble avis, en réalité, débat est coquille que ça les maté. Autour, il y a question, il y a porte-parole, il y a opposition. Débat est coquille que ça la té. Naturellement, c'est l'ensemble qui doit porter la voix de l'opposition désormais. Et ce qui. Et qu'aux à la peine à adjoint, l'adjoint, ça sera Mozito, comme la deuxième force politique de l'opposition au sein des institutions. Alors, Maître Claude Ngoma, yo, Zamoutami, Beko, tu sais, la renom, parce que vous avez cette
connaissance là. Alors quand nous parlons il y a porte-parole opposition les lozali ko ko kende na sima mbé ko pona ko lobake la première force politique na opposition na au sein du parlement ils ont ensemble pour la république. Donc celui qui représente l'ensemble pour la république c'est Moïse Katumbi. Donc aujourd'hui ceux qui le biba choisir porte-parole opposition et ko zala yemoro Katumbi ou bien okende ko pona moto moko na kati ensemble pour la république yemoro Katumbi comme président national ou bien ko zala moto mosusu. Bon, et zozong et lana nous ensemble. Comme nga, je m'excuse. Mingi mingi zalaka autorité morale yé mokonda ko zala porte parole opposition. Bon, et wana siko e komi o ezali cuisine interne y ensemble pour la République. Ozomon, lokola nga nazali membre te ensemble, nazali pe sympathisant la bangote, na émettre point de vue nga comme tout politique. Je voudrais à ce que bato bako yako contredire ngai, bako contredire nga. Nanzela y a constitution. On parle, la République reconnaît une opposition institutionnelle. Une opposition institutionnelle. Et même dans cette opposition, la loi, la loi organique sur le parti politique ou la loi organique de l'opposition, Elingi Kolobani, ce qu'on a une opposition, une fois au quotidien au gouvernement, vous cessez d'être opposant. Oh, comment ça? Ben oui, vous cessez d'être opposant parce que au quotidien en pouvoir, vous partagez la même vision, vous défendez le même programme. Donc Dipo opposition avec Constant Moutamba, le quoi la commis déjà ministre nakatsa gouvernement Toluka, il ne fait plus partie de l'opposition. Oh, parce que tout le monde a qui azala qui candidat. Malembe. Na... Yo au moins Constant Moutamba en opposition. Mais à autant que azala awa candidat. Qui est rapporteur adjoint, hein, et bureau définitif à l'Assemblée nationale, il y a Dominique Mounongo. Non, mais écoutez. Na compte, il y a opposition. Non. Oebi, Ndekonanga Wana, on a pensé d'abord Mbote, on a pensé Mbote, monsieur le ministre d'État, il y a justice Constant Moutamba, c'est un jeune, non, un problème n'a été. Mais il y a Nengaza Wana, Azala Fou, il y a dans l'opposition. Comment ça? Ben oui, je vais vous dire. Constant, en fait, c'était l'ambassadeur de l'Union sacrée. Près de l'opposition. Yango Moni Lelo va récompenser. Il n'a jamais été de l'opposition. Voilà Constant aujourd'hui, ministre Ya Justice, par récompense. Tout simplement parce que Yemoto Andimaki Abomaki FCC Cash. Constant Moutamba Abomi FCC Cash. Constant Moutamba Abomi FCC Cash. Mais mon cher ami, il avait joué un grand rôle. Eza Soufati Yemogota Aboma Libalawana, Eza Constant Moutamba Abomi. Constant avait joué un grand rôle. Polibalawana et Koufa. Quel est ce rôle? Mais il y a défection, non? Et ça, la main d'une. A joué avec Arta Mondaine. Mais papa, Dipro Zaguwa. Oui, Dipro Ningezawana. Oui, Ndekonangaï, Constant, c'est un politique. On demi, hein? C'est un politique. Maradona. Bon, c'est un politique. Parce que. A travaillé na le président honoraire Kabila ba travaillé ba outi ba union FCC l'air le sola bic rouge et botamino kwa sali lecture politique abi non faut na basculer yango monaki même Constant azwa ki ba représentant na kati ya CENI oh Fayulu Muzito bazwate bemba na jamais été na jamais eu de représentant na kati ya CENI na miracle nini Constant azwa ki ba représentant la CENI. Chef de file opposition. Atinda ba AG Matembo. Ah, oyokiango. Voilà. Yo moko lobi chef de file opposition, ya sa l'opposition. Récompense à Liboso yangwana. En réalité, Constant, na régime a tiseke d'aller li kelemba mitumi bali. Oh là. Comment ça? Mutu a Liboso eza ya CENI. Atindi ba tunai. Ba kei diplo ba koti CENI. Deuxième li kelemba mutu a mi bali a ekolia ya Ministre, il y a justice. Donc, il y a récompense, il y a combat, il y a salaki. Mais quand il y a la bise, il y a Constant Moutamba a outil en opposition. A outil en opposition. A outil en opposition. A zala en opposition, tongo. Ba débauché, il peut tongo, pas Kabila. Combat, il y a un azo reconnaître. A kokakate, ko résister na lutte. Biso ba résistante aux alliés. Ya koka kite, Kabila peche ye, akeyi ba travaye, azu mwa EPCR, lelo, a travaye na Tshisekedi, EPCR e mati. Et donc, je ne peux que le féliciter.
Mais na linga ndete na yoka que noko azaki na biso na opposition. Il n'a jamais été na biso na lite ko banda 2018 telelo azalate. Alors maître Claude Ngoma, tout ce kalaka wana na sika opposition hein, toujours bela sur le porte-parole opposition. Bande comme souba kongola ba ko silika, bande comme souba kongolais ba ko lo ba mo mingi mingi polémique makasi ko lo ba keno. Le lo o maître Claude Ngoma azali ko soutenir que porte-parole opposition ki na ngamba Katumbi parce que Katumbi azana ba député bele dans l'Assemblée nationale. Mais maître Claude Ngoma ko bosa na la loi des Congolais des pères et des mères, maître Claude Ngoma ali ko bosa na makambo bele, on ne peut pas donner ces postes à quelqu'un auto ali ko reconnaître vraiment qui bobimba na ko za la tata na ko za la mama ya Congo. Congolaise. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, kota la Katumbi, kota l'ensemble pour la République, couleur na bango wana, na boy ko kota sur la polémique yaba oh non zambien oh non non, je ne peux pas entrer là-bas. Déjà d'abord na image ya ki congolité, est-ce que Katumbi peut mériter qu'on la porte parole opposition? Mon cher ami, olobeli biso ba lor organika wa, olobeli biso ba lor organika wa. Na etali de père et de mère, c'est un faux débat. Donc sur le porte-parole et opposition des pères et des mères et koyate. Non, même la présidence, même na mboka, c'est un faux débat. Oh là. Et ça là concept à ma bé. Wana au télémine au télémine noël. Non, n'attique là jamais que tu ko soutenir le ko wana. Pourquoi? Parce que le gardien o ya mondele azo ya mbela biso na léopard. Bo betele maboko. Oui ou non? Dimitri. Bozo betele maboko, oui ou non? Bo lo biso asisi carrière footballistique na yi. Aiko se convertir à commis politique. Boko pime là comme président de la République. Donc Dimitri za congolais té. Oh, de père et de mère, à mon délai. Donc, c'est un faux débat. Namo kili alelo, mboka, nyonso, ezo komata, développement, ezo ya, makamboba, line, belezo, bouge. C'est-à-dire, toko kite kotikala, o tolo baga nationalité, obe moko. La nationalité congolaise est exclusive et unique. Non. To accepte, to fungu la brèche. To accepte, ba triple, ba double, triple nationalité. Alors, quand ça va infiltrer, non, mon cher ami, s'il vous plaît. So qui ba institution zali makasi, infiltré au komate. Obama un noir américain, d'origine kenya. Oyoka ya tongata bato moko to batima moko na kenya. Ase la la, obé ba intérêt américain. Ouais. Alors, to matana raisonnement na biso, na ba pensée na biso, to transcende o eza, parce que quand nous parlons il y a porte-parole opposition, c'est parmi les postes clé maître Claude Ngoma, parce que ba congolais ba kota la biso na territoire national, ba congolais ba za libanda ya mboka ba repère au côté encore mouvement ou ya kala ya présidence, faut être congolais des pères et des mères ainsi de suite. Non, il faut aussi réglementer. Non, et loko wana ya congolais des pères et des mères, c'était une médiocrité. Et ici bato bazolo baké Katumbi akokoka kosala face te vis-à-vis na Tshisekedi, ce sont des gens au bazo excellent na balabala. L'opposition de la rue. Or, opposition ezaka ka pression te ya balabala ko bimisa bato kotumba bapine, non. Opposition ezali tokutana na domaine na ba idée. C'est ça l'opposition. Et c'est ça même l'opposition vraie. Voilà le gouvernement, le programme de gouvernement de madame Judith Tuluka. Moi qui est opposant, Nabi bon, na pilier oyo, voilà ce que moi je pense. Je m'oppose par exemple na premier pilier et j'argumente. Mais oyoka ba misu ba oyo biso ekosimbate. Bon, ekosimbate na ndenge ni. Tout ça pourquoi? Parce que les oppositions ya balabala. Osomon, et awa bato balobi ke Katumbi akokoka ko sala face tena Tshisekedi. Or Katumbi opposition les abiki. Romon a Katumbi te atumba pine na balabala. D'abord, tu peux savoir Mouzito. Mouzito, Romon est na bik. Opposition est stylo. Na balabala pe. Balabala zakate. Na balabala Mouzito azate. Tozaki même contraint yako sa l'opposition ya balabala dans le cadre ya la mouka. Pourquoi même population congolaise atika la nostalgie qui depe se tika psyon na défaut. Ya otumba pine na balabala, ya koubimi sabato. Alors que un acteur politique a koki que ça la marche était marche revendication tout ça et ça ba mouvement il y a ba syndicat na ba corps intermédiaire ngai na rôle ya opposition soki na monique moyenté la vie chère na pesi ba proposition na ngai na teki yango je mets ça sur la place publique mais na kokite ko bima
nasa la marche na benga bato bobima poto totelme la régime Tshisekedi du non mais porte-parole opposition monosa musala nade ya ko benga bato libanda batelme la Tshisekedi non ce n'est pas ça mon est-ce que population nani opposition balabale yani ezalite ko loko opposa o porte-parole opposition que o benga sabato na balabala non porte-parole opposition vous portez la voix de l'opposition na cadre moko légal d'échange par excellence c'est le parlement. C'est le parlement. Alors, yebisanga siko e failu lelo. Oui. Par miracle, porte-parole opposition. Azana mutu na parlement au sande. Mais arozala en alliance avec Katumbi et Muzito et encore l'autre papa, ici. Papa. Donc ngai na zoki ba député ko ba au sande. Oh, tout ça c'est le. Tout ça c'est. Voilà. Donc Nako senga na bande ko na biso bazana opposition extra parlementaire, c'est-à-dire opposition ya balabala, ba s'assumer et tigali 4 ans, ba kanga motema. En entendant ba bongisa o ezali ba stratégie na bango pona 2028 ba kota na ba institution. Bien. Alors, là c'était le point sur le porte-parole de l'opposition, tout qui va éclaircissement, surtout c'est un homme, Maître Claude Ngoma. Alors, Maître Claude Ngoma, parlons toujours de la justice, parlons toujours de la politique, Ndekito Bandaki. Alors, Lelo, nous avons un nouveau ministre, nouveau ministre de la justice, à instruire et pas à. Procureur général près la cour de cassation à son tour paie sa meeting dans la juridiction monsieur Zana Senaye babanda kotala makambo etali nuisance sonore na ba ville na ba kwa mususu ya territoire national balande la paie makambo ya mabala o ekomi ko sala ma mikolo makasi na kisasa quelque part eza légalité mais batu ba komi ko sala ngona ko batama tomoni mobali na mobali ba komi ko bima ensemble. Tomoni moisi na moisi ba komi ko bima ensemble mais tomoni il y a un groupe de personnes ba telemeli ngo babi ke non au niveau de l'église catholique na Vatican ce n'est pas mauvais mobali na mobali ba ko bala na basali pe foyer na bango moisi na moisi pe ba ko bala na basali foyer na bango ce sont des choses oyo ministre ya justice en ngo pona loyenge tozana besoin ba congolais balia tozana besoin justice guerre na est esi la boni bango ba na makambu ya papa maman batika biso to vivre na kimia. Est-ce que vous soutenez quand même que libala ya boyesa la manango papa na papa babalani maman na maman babalani et que ezala lokola mindele ya ba allemand ba ko salango lokola ba italien na Vatican ba ko salango bato ba ko encourager yango yokolo banini bato ba ko pekisa yango yokolo banini non bato ba ko encourager yango bango moko bazali verser na ba pratique wana et loko la bango ba ko zo exemple ya ba Rome ya mboka ba paya babi mana Congo ba kinela mboka ba paya ba ki mosala. Oui, parce que même Mobeko Likonzi, la constitution ici, est pas si claire et lobby bien article 40 na yango. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. De son choix, de sexe opposé. Et de faire une famille. Si vous bango bataba deux fois, tata, maman. Même sociologiquement, c'est inconcevable to kon di mayangoti. Et donc, bravo na monsieur le ministre d'État, son excellence Constant Mutamba, papa beta li sou société. Mais beta li sou société. Mais à Rokanga, à Rokanga na ba kondi. À Rokanga na ba ministre, à Rokanga na ba député. Mobeko, oyo ba eloko ba pekisi. Eza ya moto moko te. Mobeko zaka taite sur Messie. Ezala yo mokonzi bazuyo nango oko subir rigueur ya loi parce que awa na ba instrument juridique na biso mon côté autorisé pratique wa mon côté à moins que moto moko bimelanga ya na ba disposition ay kon contredire nga ba le bi pratique wa na za autorisé te dans le sens troki ko ya na communauté po ba kangisa libala na biso pa ya bourgmestre pa officier de l'état civil mais ce demi-sale lango biso na biso na ndako etali bino mais komisale lango bino na bino na ndako ndenge parce que même yo moko ndongoza bo même ndako na c'est l'état qui le gère même yo moko moto l'état moto ko gérer otamboli mabe okute na l'état atana sale na kobata mba bakanga ngai même kolo ba okango ko koyeba ko subir rigueur ya loi et donc esa décision esa comment je peux dire ça
instruction moko salvatrice. Non ki ba misu ba lobi, comment un ministre ya justice appelle sa injonction na PGR. Même bande konanga misu sur ba ya juriste. Procédure. Même bande konanga misu. Procédure on est ça la maraté. Mais écoutez, ministre a le droit d'instruire au niveau des parquets. C'est tout. Et leur ministre a instruit au niveau du parquet. Il a instruit. Il s'est adressé à qui? L'instruction est donnée à qui? Au PG, au procureur général. Alors, où est-ce que c'est qu'il a péché? Dans ce cas, on a TV belé. Ou soit il y a un bateau, mais il y a un bateau qui a ordre politique. Ils ne veulent même pas qu'on parle même du point de vue science. Le ministre a le droit de donner injonction. Il a même le pouvoir, je l'ai dit, le pouvoir de donner injonction au niveau des parquets. Et par ricochet, le PG. Parce que ce dernier, yé, aza, na oto bengaka, a coupé sa vie na yé. Voyez-vous? Alors. Abibo kangana no batu ba ko yiba mbongo l'état. Bango bakangi. Tango a lobby na yoki polémique mati. Ono koma ko bengisa nani en séance de travail kulutunanga lingete zulu. Nabi me oh. Mais ce qui est dossier, ils ont traîné à un niveau et à parquet. C'est tout à fait normal que le ministre appelle cette injonction, enfin que ce dernier va traiter dossier ou non. Donc l'IGF a travaillé à Ka en collaboration avec le ministère de la Justice, on peut dire. Non, l'IGF travaille en collaboration, travaille d'abord en collaboration avec la présidence, parce que c'est un service attaché à la présidence. Ce qui n'a pas enquête, n'a yé, à Monique. Nani, comment fragrance et ali quelque part a kokenda ko saisir le PGR, le parquet et parquet a refungula auto ben information judiciaire toi refungula un dossier judiciaire et ce dossier judiciaire on est ko tambola malamote nyamu nyamu et ali na niveau ya parquet mais le justice le ministre de justice a ça plein pouvoir ya ko ben a PGR a tout naïe mais comment ça se passe. Voilà comment ces dossiers. Mais le ministre, il y a justice, na niveau il y a tribunal, azali atteint la compétence mon côté atteint le pouvoir mon côté. Il y a copé cette injonction à Zouzi. Parce que oh azali kolo ya Zouzi ya kama mobeko. Mais yo le bien ministre à justice a copé cette injonction à bas parquet. Oui. A copé cette injonction à Zouzi té, à magistraté. Voilà. Pourquoi? Parce que na niveau ya ba tribunal c'est le magistrat les zouzi qui sont là zouzi pour azo mobeko pour azo décision ne pas bimisa jugement o yazali kolo na ye ezali kaka mobeko ozomona même le président de la république ne peut pas de y a déjà une loi bien taillée au Fokolanda. Non, c'est-à-dire il faut toyeba comment l'appareil judiciaire na biso ezali organisé. Pour la monnaie, on va me souvenir dans tous les sens. Il faut que vous la distingue. Zouzi a zo katali kambwa bingyo bimsa alingo zo jugement to arrêt aza obe na mobeko o izali kola moto nae na stylo nae point barre. Mais à niveau ya parquet, le ministre de la justice a le pouvoir de donner injonction na PGR. Et cette injonction, ce n'est pas que le ministre va donner une injonction à la PGR, Kolobane, que Kangelanga Moutouana te. Akoye bisaye par rapport à dossier Oyo, traité Yango, Tala Yango. Et le PGR a kozwa, a tali, a kopé sa vie naïe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, très bien, Maître Claude Ngoma, merci beaucoup de nous suivre de partout. Nous allons suivre la dernière vidéo, notre ami JB Jancier Brigitte Kibala en complicité avec Max. Vous allez nous donner la vidéo du Go qui va se réaliser demain à Kinshasa le 22 juin 2024 où le président de la République Fatih Beton a relancé les travaux de construction de boulevard qui va relier les quatre communes de Kinshasa, Ntsele, Kimbanseke,
Njili et Mongafula. Ces quatre communes, il y aura un grand boulevard Oyo Mokonzamboka qui nous opposer le premier la première pierre de construction, ça sera demain. Babengi yango les rocades de Kinshasa. Alors avec Max, suivant la petite vidéo, nous allons revenir pour chiter avec notre intervention. Après la signature le 14 mars 2024 du 5e avenant de la convention de collaboration du programme sino-congolais, voici les retombées bénéfiques pour les Quinois. Ce samedi 22 juin 2024, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va lancer officiellement les travaux de construction des rocades de Kinshasa. Le tracé de ce projet traverse quatre communes, Mongafula, Njili, Kimbanseke et Nsele. Ces travaux, dont le maître d'ouvrage est le ministère des Infrastructures et Travaux Publics et le maître d'ouvrage délégué, l'Agence congolaise de grands travaux, concernent les rocades sud-est, sud-ouest, nord-ouest et nord-est de la capitale congolaise avec 9 pénétrantes auxquelles se branchent 4 bretelles pour améliorer des connexions des différentes parties de Kinshasa. Ceci est un premier pas du programme quinquennal du second mandat du chef de l'État dans le volet infrastructure routière et qui va rallonger de 220 km le linéaire des voiries structurantes revêtues de Kinshasa. Voilà, là c'est pour demain. Na Kinshasa, Mokonzamboka, après Lubumbashi, a regagné déjà la capitale, la ville de Kinshasa. Et ça sera demain en direct des Tango Koki RDC Borotala Yango. Le go et la pause, il y a première pierre pour la construction. Il y a boulevard parallèle, partiel qui va relier la commune de Lantsele, Njili, Kimbanseke et Mongafula. C'est une route inexistante oyo Tshisekedi ako créé Kabila bandaye ko vimbisa ba balabala aussi ba Belge batike la biso mais Tshisekedi azo kota na place ba mai ba zamba ma belenzela ezate azo tianzela ezo banda lobby ba sote mutuin ko zalawana ba boulevard ya 5 bandes ya komata 5 bandes ko kita avec passerelle avec donc c'est déjà demain, vous allez suivre ça en direct de Kinshasa. Alors maître Claude Ngoma qui était notre invité spécial de ces jours to komina suka mais par rapport il y a reportage de tout ce que l'andoza na maloba ko bakisi te maloba ko zanga te ya maloba ko zanga te parce que mboka tangwe ko tongama eso ko mitia na nzela ya ba pays émergents na yango moni ba initiative a boye na olo ba soko linga katata mokonzi ekolo soko moni ba sisabidimbu otali ke lobby tozali na centre financier te lelo to comme na centre financier donc faut le ba il fallait ka kafachi ozota la reine ezotongama fallait ka kafachi voilà ozomona centre culturel aussi non loin à palais du peuple voilà donc il fallait ka kafachi parce que to vanda a to tika la komona mais oyo fachi azo ko sala pose ya pierre lobby eza onga na obengango les coups du maître les coups du maître pourquoi statue voilà nzele zalate zamba mai mabele ezali boucle troisième boucle ya ville à Kinshasa premier boucle à Kinshasa ezali ngaliema temaluku la corniche nzela mai oleki aéroport ti ok Mai, voilà. Mai. Deuxième boucle, il y a ville à Kinshasa. Ezali kozwa axe ya Kisantu obimi nango te eko toute route se komaf eko koma quartier 1. Balaba les ala mais non assez. Eza on azolo ba woyo, ezali ba tracé colonial. Ah voilà. O ba belge batika. Maintenant pose à pierre oyo na bengango le coup du maître. Ezali troisième tracé colonial. Oyo, ezo longwa sele, et kati komina Kimbanseke, ezo njili na parti nangwa li kolo na njili dans la partie Brasserie, hein? Sud, comment sud-ouest, non, nord-ouest, et bimi te ekei kobimana Mongafula. Et ce qui nana mémoire à malamu, et koya kobimana Mongafula ve koleka légèrement. Kindele et comme peine à la gare. Na Riflar. Non, Riflar rien à qui sens. Gare ou à Mongafula. Ah, je vois. Ozo mona, ego bima ba côté. Donc,
non seulement éco désengorger ville à Kinshasa, mais il y aura des compatriotes au Barozwa Misala. Bah ma pangu côté on est au Fongwama. Ville au Fongwama, autozo benga politique extension ya ville, yango na bomoni yango déjà le coup du maître. Et donc pour il fallait salement, il fallait Kakafati. Très bien. Donc il fallait Kakafati. Yango monique mokonzi na deuxième année azali vraiment décidé. Azali décidé mingi bakanisa ki yango ke ekozalaka parole parole mais lelo tokomi mona ngo ndenge bandiko se réaliser. Okay. Donc non seulement ekopé sa bato misala mais ba population o bazan na ba coin wana eko influencer pe économie na bango. D'où même l'assiette fiscale de l'État ekomata parce que kuna ba magasin ko fungwa. Fiscalité ko fungwa. Donc même nani otoko benga l'assiette matérielle de l'État en termes fiscaux eko vimba. Très bien. Osomona surtout eloko amunene eko permettre à ce que embouteillage diminue. Parce que bisono tozora kaka boulevard Lumumba. Voilà. Et na rosenga na tata mokonzi comme suggestion. Mingi soki ezali ya kotonga to kanisa nsele na malo. Même certaines institutions tata banda ko bwaka yango kuna. Mboka esike kende nanu. Ba cabinet ba ministre. Ba kende nanu kuna. Comme ça, oromona ke ville kokoma équilibré. To mona ma hôtel du gouvernement ba tonya wana malo. Ba bwaka yango kuna. Nga kutu soki ezali kinga même les centres financiers na boté nango, ba tia yango ngambo wana ezota la sefa na ngambo. Yango simba. Kitoko makasi ba pale akuna pe matavale olege to vanda rabiso nyon soir ya kokangama to mona rapete a mutu na ngape te ngala koma na ngakoto ah voilà très bien même na cadre ya gratuité de l'enseignement le nouveau ministre s'il y a des projets de construction des écoles botonga ba école côté kuna okomona ke ville kokoma kitoko et donc ngana o suksa malobana nga soko linga ba président de la république olinga ka fachi na ba réalisation nyon sozo sala. Merci beaucoup. Là, c'était. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était l'invité spécial des Tangwe Koki RDC, Maître Claude Ngoma, analyste politique indépendant. Naïne Tosololi Makambonien sur Mboka, Tolobeli dossier à porte-parole opposition, Tolobeli dossier. Il y a Bande Konabiso, il y a service national à la tête le général Kasongo Kabwik. Et tout le BDP Makambu, il y a lancement de travaux lobbyants na Kinshasa. Au Mokonzambo, il y a lancé la construction. Il y a Nzelamoko ya monene qui relie les quatre grandes communes de Kinshasa. Grande commune de Kinshasa. Tout le BDP Makambu, merci beaucoup na kota la biso de partout. Merci beaucoup d'aller s'abonner et cliquer aussi au niveau de la cloche de notification. Merci beaucoup na okende ko visiter ba différentes vidéos na biso za na katia boîte ya tango ko RDC. Ici c'est le patriotisme, hein? Ici c'est la méritocratie. Ndenge ndeko Stéphane Balamwange les 001 de tango ko RDC lobaka to pesi bino no sombote et à la prochaine. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton tango ko ki yo 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 tango ngo ya ngoyo ekoki tolanda kango papa Stéphane Balamwange oyeye oh, yeah, yeah.